à tous, c'est Rick Legault de Chez Galago Music. Bienvenue sur ce second tuto sur le morceau Hotel California. Où elle fait un chaleureux accueil sur la vidéo précédente, ça m'a fait vachement plaisir. Donc dans celle-ci, je vais vous expliquer comment jouer les parties de couplet et refrain de manière acoustique. Je vous montrerai tout d'abord comment on fait avec le capodastre en 7e case, hein, comme si vous étiez le guitariste qui avait joué l'intro au début. Mais comme c'est un morceau riche, on peut également, comme c'est fait dans le morceau original, accompagner avec des accords sans capot. Et en fin de vidéo, je vous mets un petit bonus qu'un troisième guitariste pourra faire et qui apportera un petit côté chaloupé et même carrément reggae. Ce qui rejoint d'ailleurs le titre initial qu'avaient choisi les Eagles pour ce morceau. C'était pas Hotel California à la base, c'était Mexican Reggae. Ah ouais. Allez, on a du boulot, donc je me rapproche et je vous montre comment on joue tout ça. Alors avant d'entamer les couplets et les refrains pour l'accompagnement, voici la deuxième guitare qui joue durant l'intro. Vous savez, c'est ce passage-là. Et on va jouer ceci, on est donc mesure 9. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Voilà, j'ai démarré le ré à vide, après deuxième case du ré, quatrième case du ré, re deuxième case du ré à vide, et quatrième case du la. C'était les mesures 9 et 10. Mesures 11 et 12. Alors, ici, il se passe quelque chose de rigolo. À la mesure 11, bon, on démarre en quatrième case du La, tout va bien. Le 0 du Ré, le 2 du Ré. Ensuite, vous allez vous placer sur une position de mi-septième, à deux doigts, comme ça. Deuxième case du La, première case du Sol. Et on va gratter comme ça. Corde de La, corde de Ré, corde de Sol. Okay? Ensuite, corde de La, Ré, Sol, Si, Mi. Alors là, vous avez le choix de faire que des allers-retours. Donc les allers-retours, on les réserve vraiment quand on a des doubles croches, quand on a un débit un petit peu rapide. C'est pour ça que le premier 2, je le fais vers le bas. Ensuite, le ravide vers le bas également. Et ensuite, que des allers-retours. Voilà, pour obtenir. Yes, c'est Treasury. Je vous refais donc ces mesures 9 à 12. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, mesure 13. Je vais mettre l'index en deuxième case du La. 1, 2. Ensuite, quatrième case du La, le Ré à vide, puis le La vide. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais mettre sur une position de si mineur partiel, si mineur 7, ou comme un ré basse fa dièse, si vous voulez. Deuxième case, je vais barrer avec l'index sur les quatre dernières cordes aiguës, et je vais mettre le majeur en 3 du si, et l'annulaire en 4 du ré. Je vais gratter le premier coup les cordes de ré sol si, sur le troisième temps, et je vais regratter que le ré et le sol sur le quatrième temps. Je vous refais ces mesures 13 et 14. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Et c'est là, dans les mesures 15 et 16, qu'on va avoir un plan extrêmement stylé qui va donner ça. Yeah, vachement joli. Alors, je vais me placer en deuxième case de la corde de La, avec l'index, voilà, c'est encore le mieux. Et là, il faut bien viser à la main droite. Ah, attendez, j'essaye de me mettre bien. Alors, deuxième case du La, ensuite, je vais gratter les cordes de Sol, Si, Mi, tout ça à vide, Re, Si, Re, Sol, Re, Si, avec que des allers-retours dès que vous tapez le Sol à vide. Donc, couvert le bas sur le La, couvert le bas sur le Sol, et puis ensuite, haut, bas, haut, dès que vous avez réussi ça, vous allez vous placer en quatrième case du Ré avec l'annulaire et deuxième case du Sol avec l'index. Et on va gratter les cordes de Ré, Sol, Si, Mi, d'accord, bas, haut, bas, haut. Dès que c'est fait, on va pousser l'annulaire une case à droite, donc il va atterrir en cinquième case, et on va mettre le majeur en quatrième case de la corde de Sol. Et là, on va refaire pareil. Bas, haut, bas, haut, d'accord? Alors, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà, je vous refais cette mesure 15. C'est fait, vous allez descendre ces deux doigts-là une case à gauche, donc en 4 et 3,
du ré et du sol, et on va ajouter l'index en deuxième case du gros mi. Mais on ne veut pas le barrer, parce qu'on a besoin du si à vide. C'est la petite couleur super stylée. Que à la fin qu'on écrasera l'index pour faire la deuxième case du petit mi, le fa dièse. Alors je vous dis le nom des cordes, gros mi, ré, sol, si, sol, ré, sol, si, mi, deuxième case, et puis cring, cring, plaf, et ça démarre. Je vous refais donc toute cette intro pas trop vite, et puis après on attaquera les couplets et les refrains en mode accompagnement. 1, 2, 3. Et voilà. Alors vous aurez peut-être repéré qu'au niveau des allers-retours, des fois je fais pas exactement la logique absolue du truc. Si jamais ça vous arrange de faire par exemple deux coups vers le bas plutôt qu'un aller-retour, franchement vous le faites. Du moment que ça ne nuit pas à votre régularité, ça ira très bien. Allez, maintenant on remet notre capot en septième case et je vais vous montrer comment accompagner le couplet et le refrain avec une petite rythmique sympa. Donc, pour les couplets, quand vous êtes sur la première guitare, celle qui commence l'intro, vous aurez besoin des accords suivants. En fait, c'est les mêmes que ceux qu'on avait dans l'intro, justement. Donc, mi mineur, voilà. Après, si septième, position complète. Nous, on avait pris juste une petite portion quand on faisait les arpèges. Là, vous faites le si septième complet. Donc, vous avez vu, entre le mi mineur et le si sept, le majeur est en commun. Donc, vous le gardez bien en place. Ensuite, on aura besoin d'une position de ré seconde suspendue. Vous savez, c'est le fameux ré doigt d'honneur. Ouais. Placez bien le pouce par-dessus le gros mi. Voilà. Si vous faites sonner le la vite, c'est pas grave du tout. Ça fait un ré seconde suspendue. Basse là, c'est très bien. Ensuite, la position de do dièse demi diminuée. Ça a un nom tout pourri, mais c'est très joli, c'est pas difficile. C'est quatrième case du la et deuxième case du ré. Avec le bout de l'annulaire, faites gaffe. Essayez de toucher le gros mi pour qu'il ne sonne pas. D'accord. Ensuite, do majeur. Après, sol majeur, le positionnement que vous voulez, soit le positionnement à quatre doigts comme ça, soit celui-ci, c'est selon votre confort. Celui-là est peut-être mieux parce qu'il met une corde à vide. On a besoin justement que ce soit un peu épais à ce moment-là. Ensuite, un la mineur 7. Donc c'est comme un la mineur, mais on enlève l'annulaire. La corde de sol est à vide. Et on termine par une position de si septième. Voilà la rythmique que je vous propose. Alors, donc là, c'est dans le cas de figure où vous jouez vraiment en mode solo ou alors avec un copain derrière qui ferait la deuxième guitare que je vais vous montrer juste après. Donc, en bloquant les cordes pour bien entendre la séquence rythmique, ça donnerait ça. Ba, 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 avec un accord. Etc. Donc, on va bloquer ici et on va essayer de choper ce mouvement. En deux parties, la première moitié de la rythmique donnera ba, ba, ou ba, ba, o. D'accord, jusque-là tout va bien. Ba, ba, ou ba, ba, o. Le coup d'après, on descend sans gratter. On va faire un retour, on redescend sans gratter et un retour derrière. On a quasiment tout fait. Donc, genre ba, ba, ou ba, ba, o, o, o. Vous voyez, on aura trois o d'affilée. Le but de la manœuvre, je le redis, hein, c'est à la main droite, dans quasiment toutes les rythmiques, de ne jamais arrêter votre aller-retour. Comme ça, vous choisissez quand ça gratte ou quand ça gratte pas. Voilà, c'est ça, le secret. Ba, ba, o, ba, ba, o, o, o. Et dès que vous avez fait ça, ba, o, ba, o, finish. Ba, ba, o, ba, ba, o, 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 ba, o, ba, o. Okay. Les O, je vais compter peut-être 1, 2, 3 pour bien les signaler en cours de route dans la rythmique. Ba, ba, o, ba, ba, 1, 2, 3, ba, o, ba, 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 o, ba, ba, 1, 2, 3, ba, o, ba. Voilà. Vous le comptez en fait comme vous le voulez, du moment que ça fonctionne. Par-dessus cette rythmique, on va rajouter deux accents. Les deux accents vont être placés bah, comme les petites lettres rouges s'affichent en bas. Donc les accents, c'est quand on tape plus fort. Hein. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba,
vous avez vu, de préférence, essayez de ne pas strummer avec que l'avant-bras comme ça. Vous allez avoir une rythmique un peu dure. Essayez de trouver cette souplesse de poignet qui vous permet justement de chasser les cordes sans vous fatiguer tout le bras. Vous aurez comme ça quelque chose qui est plus doux, plus souple et vous aurez beaucoup plus de plaisir à le faire. Alors il faut juste essayer de débloquer ce mouvement-là. Tic, je tire, je pousse vers le bas comme ça, comme si vous jetiez un truc. Si je le fais avec tout l'avant-bras. Ouais, c'est tout raide. Il faut vraiment que ça, voilà, vous appreniez à le choper. C'est la petite poupée de chiffon, voilà, qui pend au bout de votre bras. C'est votre poignet. Il a une mobilité souvent qu'on ne soupçonne pas. Il y a les reflets des projos. Ok, une fois que vous l'avez cette séquence, il n'y a plus qu'à balancer les accords que je vous ai montrés précédemment et on fera une rythmique sur chacun d'eux. Je vous refais donc ce couplet en entier avec la rythmique et on verra un tout petit détail, là le mouvement que j'appelle hop, qui va s'intégrer en fait sur le dernier mouvement de chacune de mes mesures de main droite. C'est quoi ce hop? Excusez-moi, je vous coupe. Je me coupe, je m'auto-coupe. Le hop, c'est quand on va ôter les doigts de la main gauche complètement. Donc on va gratter des cordes à vide dans l'aigu. Je vais exprès gratter genre trois cordes à vide comme ça, en enlevant les doigts, sauf s'il y a un doigt en commun entre deux accords, genre entre mi mineur et si 7, on a ce doigt-là qui bouge pas, on a dit. Donc du coup, je vais faire ça. Ba, 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 et comme ça me permet de pas traîner, de pas me sentir surtout trop pressé pour que l'accord d'après il arrive à l'heure. Bah. Là, j'enlève tous les doigts parce qu'il n'y a aucune note en commun entre le 6 septième et la position de ré seconde suspendue. Bah. Deuxième fois le couplet. Ok, donc cette grille-là, vous le faites une deuxième fois. À la fin de la deuxième fois, on va juste rajouter un petit quelque chose sur le 6 septième, donc le dernier accord de la grille. Je vous ai réintégré une petite mélodie qu'on entend très bien dans le morceau qui permet justement d'introduire l'arrivée du refrain, c'est ça. Welcome to the hotel. Ouais, alors je fais comment? Je fais mon 6 septième. Ensuite, je vais gratter 2 du La, 3 du La, le Ré à vide et première case du Ré avec le majeur parce qu'après, j'aurai plus qu'à le pousser et à finaliser mon accord de Do majeur. Donc genre, Ba, 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 O, O, O. Voilà. Donc maintenant que nous sommes sur le refrain, voici les accords dont on aura besoin. Donc Do majeur, Sol majeur, Si septième, Mi mineur. Sur cette mesure-là, on aura un petit truc très spécial, très sympa que je vous jouerai après. Ensuite, Do, à nouveau. Après Sol, La mineur 7, Si septième. Voilà. Donc pour l'instant, sans l'additif là sur la mesure de Mi mineur dont je vous parlais, Do majeur. Welcome to the et on redémarrera ensuite sur un couplet. Alors, la petite séquence bonus qui fait plaisir, c'est donc exactement la quatrième mesure du refrain. Donc les trois précédentes, c'était Do majeur, machin, Sol, après Si septième,
répéter un petit truc. Ah, j'aime bien ça. Oui. Alors, je suis en mi mineur. Donc sur cette mesure, je ne vais pas gratter jusqu'à l'aigu. Je vais plutôt essayer de gratter les quatre premières. Je m'arrête dans la corde de sol maximum. Et je vais faire bas, bas, haut. Ensuite, je vais soulever le majeur et l'appuyer en deuxième case du gros mi. Donc si tout va bien, celui-là est entendu. Celui-là, il est bloqué, c'est parfait. On entend le ré et la corde de sol. Et on va faire pareil. Bas, bas, haut. Donc genre, bas, 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 haut. Dès que ça c'est fait, on va placer le petit doigt en troisième case du gros mi. Le majeur peut rester si c'est commode, sinon on veut vous l'enlever. Voilà. Et on fait pareil. Bas, bas, haut. D'accord. Bas, 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 haut, bas, bas, haut. Dès que ça c'est fait, on va gratter une fois comme ça. Alors je vais mettre mon pouce par-dessus le gros mi, parce que celui-là je ne le veux pas. Je veux faire entendre la corde de la, ré avec l'annulaire en deuxième case, corde de sol. Et après je remets le majeur en deuxième case. En fait ce qu'on veut entendre c'est mais c'est joli de l'harmoniser, c'est-à-dire de mettre l'accord avec. Voilà, donc pour bien y arriver à la montée, quand vous avez placé le petit doigt là, il faut bien que le pouce vienne bloquer le gros mi pour entendre ça. Et après, vous balancez le Do majeur et la suite. Donc je vous refais ce refrain en entier avec ce Mi mineur bien enrichi. Après, je vous rejouerai de plus loin couplet-refrain et je vous montrerai ce que peut faire une deuxième guitare par-dessus ça. 3, 4... Je fais donc la démo du couplet et du refrain d'affilée. Je fais pas le couplet deux fois, d'accord? Donc je prends juste la deuxième fois de ce couplet avec la montée. Voilà, ça va prendre trop de temps. Et puis après, il faut qu'on voit ce que fait l'autre guitare quand il n'y a pas le capot. Voilà, si vous êtes deux, y en a un qui pourra prendre les accords avec capot en septième case. Et l'autre, justement, il le fera sans. Alors, couplet. 3. Alors que ferait la deuxième guitare, celle qui n'a pas de capot? Quand les accords commencent, là, avec le capot, la deuxième guitare peut faire ceci. C'est ce qui se passe dans le morceau original. On va trouver Si mineur, barré en deuxième case, tout ça. Ensuite, Fa dièse majeur. Après, un La seconde suspendu. C'est comme un La mineur ou un La majeur, mais sans l'index. Faut bien bloquer le gros Mi. Ensuite, un Mi majeur. Trop bien. Après, un Sol majeur. Après, un Ré majeur. Après Mi mineur, et pour terminer, Fa dièse majeur. Ça, ce sont les accords à utiliser sur le couplet. Ils vont sonner pareil que ceux que je vous ai montrés avec le capot d'astre en 7e case. Je vous ferai la mini démo à la fin en mixant les deux guitares. Donc, à la main droite, vous faites exactement la même chose, hein, donc genre...
Là, il n'y a pas de petite séquence qui change, hein. Vous faites le fa dièse majeur jusqu'au bout. Et voici la suite, sol majeur, le refrain. Welcome to the hotel. Et le ré majeur. Fa dièse majeur. Et le si mineur, là, vous faites rien. Vous faites tourner que l'accord. Sol majeur. Sur les couplets. Je vais tenter de vous refaire la même chose avec le métronome. L'embêtant, c'est que cette guitare commence à être très très fatiguée. Alors, j'espère que le fait de superposer le truc sans capot et la piste avec capot va pas être trop dégueulasse à l'oreille. 3, 4 et... Si jamais vous êtes trois à jouer, il y a une troisième guitare qui est possible. Vous allez bloquer les cordes ici et vous allez faire des petites cocottes. Voilà. Comme Hotel California devait s'appeler à la base Mexican Reggae, puisque la sonorité leur faisait penser un petit peu le côté mexicain, j'imagine, c'est la grille. Et ce petit bidule qui fait tac-tac, qui est à fond reggae. Et bien, si vous pouvez l'intégrer en mode acoustique comme ça à trois, enfin en groupe aussi d'ailleurs, hein, à guitare électrique et tout, et bien ça filera un petit cachet supplémentaire vraiment le bienvenu. Un bébé extrait pour terminer, je vous rejoue les deux guitares d'avant et je rajoute ça en plus. Écoutez, voilà, je pense que là, vous avez de quoi faire. J'espère donc sincèrement que ce tuto vous a plu, que ce truc à trois guitares comme ça vous permettra de taper le bœuf de manière flamboyante. N'hésitez donc pas à me donner vos avis sur le contenu de cette vidéo, laissez votre petit pouce bleu ou le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite encore une fois le meilleur et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le solo, voilà, la dernière partie. Alors, c'est plus un secret maintenant, je vous le dis, on sera deux à le faire, ce solo. Ce sera ma pomme et le copain Tanguy Kerleroux, que vous connaissez, qui joue superbement bien et je pense qu'on va se faire un duo d'enfer. D'ici là, bossez-moi bien tout ça et je vous donne rendez-vous, je pense, d'ici, allez, 3 semaines pour finaliser ce tuto Hotel California. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.